Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ici Londres, nous sommes le 1er février 1943. Voici le bulletin d'information en français. Mais tout d'abord, quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont battus. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Le gigot est cru. Il y aura 4-5. Et maintenant, nos informations. Et une bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre la capitulation à Stalingrad de la 6e armée allemande du général von Paulus. Et t'es à la TSF si tu veux bien. Tu sais très bien que je veux pas que t'écoutes Radio Londres. Hein. Si Rata arrivait, bon sang. Admirez ce magnifique spécimen britannique. Oh oui, splendide en effet. Et à propos de britannique, où en êtes-vous avec... Mon point mort, je l'ai toujours en pension gratuite. Je voulais l'envoyer à la branche de la Garenne, mais mes filles n'ont jamais voulu. Peut-être veulent-elles le garder près d'elles, pour parfaire leur anglais, bien sûr. Ben voyons. Et plus le temps passe, plus les risques augmentent. Hein. Ça fait maintenant 3 mois qu'il moisit dans ma cave. Les champignons vont finir par lui pousser sous les bras. On n'est pas à l'abri d'une gaffe, d'un mot malheureux, d'une fouille de ratins. Et les résistants ne peuvent pas vous aider. Ben pensez-vous, quand il s'agit de prendre des risques, ceux-là, ils les laissent bien aux autres. Hein. Nous avons bien essayé de contacter le colonel Betty, mais... Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Rien, absolument rien. Ben, c'est sans doute qu'il ne peut pas. Ben, que voulez-vous depuis l'invasion de la zone sud? Ben, les réseaux sont complètement surchargés. Désorganisés. Le réseau du Guéclin comme les autres. Alors, faire passer quelqu'un en Angleterre, ben, c'est devenu très difficile. Dis donc, comment tu sais tout ça, toi? C'est tout. Ce ne serait pas une information laïque, par hasard? Si, c'est Madeleine. Enfin, c'est Mademoiselle Riche, bon. C'est aussi elle qui nous a dit que... Dis-toi, idiote! Oui, qui a pris contact avec le réseau du Guéclin du colonel Betty. Et elle devrait être plus prudente, hein. Tout le monde sait qu'elle a partie liée avec la résistance. Et à croire qu'il y a Cratin qui l'ignore. Ouais. En tout cas, j'ai toujours sur les bras le mangeur de pudding. Hein. Et que je te le cache, et que je te l'habille, et que je te le nourris. Bonjour, de mon je vous apporte la bonne nouvelle. Bah ça c'est un con. Oh bah je l'ai pas fait volontairement, Ricurie. Seigneur, pardonnez. Oui, ah bah laissez-le où il est, celui-là, et écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Hein. Bon, le réseau du Guéclin prend en charge votre parachutiste. Il le fera passer en Angleterre. J'ai eu la confirmation du colonel Betty. Vous connaissez donc? Non, je ne le connais pas. J'ai une information par un tiers qui lui non plus ne le connaît pas. Good mystère. Oui, ben il le faut. C'est ça le cloisonnement. Ainsi, si un maillon de la chaîne tombe, ça ne met pas en danger le reste du réseau. Bon, bref, il part quand, Mac Machin? Ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Dès le couvre-feu. Bon, alors, surtout, vous le tenez prêt. Hein. Moi, je le sauve. Ah, ben attendez, vous lui remettrez ça? Ce sont les instructions qu'il devra suivre. Hein. Alors, moi, je me sauve. Alors, surtout, vous faites en sorte qu'il soit prêt, je reviendrai le chercher tout à l'heure, d'accord? Eh ben, on va arroser ça, hein? Allez, Odile, serre-nous donc un petit calma, hein? Oh. Ah. Janine, ma petite fille, tu veux nous servir? Eh ben, ton départ ne semble pas faire plaisir à tout le monde. Alors, bon ben, je vais te prévenir. Thank you.
voir Odile. Ah non. Si. Alors comme ça, elle est pas en bas, hein. Elle doit être en haut alors. Elle va peut-être pas t'attarder à descendre. Je crois pas qu'elle descende dans l'immédiat. Et pourquoi? Ben vois-tu, je crois que... Oh, puis c'est pas moi de te dire ça, je m'en vais. Mon enfant, mon père, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade ou moins? Ah non, bah, enfin pas vraiment, c'est... Mais comment ça, pas vraiment, hein? Elle est malade ou elle est pas malade? Bon, je devrais pas te dire ça, surtout pas à toi, Mais quoi? Eh ben, je crois qu'elle est amoureuse, allez, au revoir, Fiona. Amoureux? C'est de qui? Il est parti. Odile est amoureuse? Voyons. Mon Firmin, ne t'affole pas, mon Firmin. Monsieur le curé a dit, je le crois. C'est qu'il n'en est pas sûr. Et après, il a dit, je ne devrais pas te dire, et surtout pas à toi. Pourquoi pas à moi? Hein? Mais ça qui est? Mais je sais pourquoi pas à moi! Parce que c'est de moi qui est amoureuse, vous ne m'avez pas parlé, c'est ça? Mais oui! Mais c'est ta haine de me le dire, c'est ça, voilà! Voilà, je suis le mitron le plus heureux de la terre! C'est toi qui hurle comme ça! Ça va pas mieux! Mais non, mes bras, papa! Mais t'es complètement brelard, toi, hein! Serre-toi, calme-toi! Bon, Odile, je te dis au revoir! Vous êtes bien brave, vous trouvez papa! Non, mais je vais lui dire pour bonjour! Oh, il est gentil, le Raoul, mais il y a des moments, je me demande si qu'on comprend tout. Oula, je vais lui faire une surprise. Elle adore ça, les surprises. Évidemment que je suis là. Dépêche-toi, t'en presse. Oh, papa, mon vieux. Ah, le rouge. Tu es prêt? Presque, je suis. Oh, si j'avais su hier soir, je serais resté plus longtemps. Ah, non, c'est heureux. Et hier soir, j'ai passé la meilleure soirée de mon vie. C'est vrai? Fantastique. Je n'ai jamais passé une soirée aussi wonderful avec une fille. C'était comme un marvelous voyage. On s'enlaçait sur les bleus océans. On planait sur les terres hautes du Scotland. Et puis, c'était le Vésuve, avant le calme du Méditerranée, et ça repartait pour le chute du Niagara. Eh ben... En tout cas, je n'ai jamais connu une fille pareille. Les yeux, une si douce peau, un tempérament de feu, wow, wonderful! Voilà, t'exagères. Ah, yes, tous les Écossais exagèrent, sauf lorsqu'ils parlent d'âme. Écoute, Rie, je m'en vais avec la joie de mon cœur. Ben, look, je t'offre ces fleurs vertes. Le salon! On claque des doigts, les fleurs y tombent. On va s'en dire la bouche, la pluie y tombe. On joue les cornemuses, le pluie y tombe. Moi, je vais voir là aussi, tout est prêt, et je t'envoie Janine. Hein. Merci. Hé, hey, Fumine, qu'est-ce que tu fais dans ce mauvais air? Très animaux, fornicateurs! Hé, quiet, man, quiet! Quoi, Yed? Ça parle français comme un russe espagnol et ça peut s'offrir de jeunes filles. Maudire aussi, violeur. What? Moi, un violeur? Ah, ça ne va pas très bien dans ton quartier. J'ai tout entendu, j'ai là. Tu l'as violé, si c'est pas possible autrement. Hein. Mais oui, jaloux tu es, n'es-tu pas? Écoute, Fémin, je ne savais pas que tu étais tombé dans l'amour pour elle. Ben, elle était ok, je jure.
Et même plus que... Ok. Ok, ok, mais toi, tu vas être calme. Ah, ne force pas moi à être méchante, Firmy. Je t'aime bien. Mais prends-moi. Je vais te tuer. Ah, slowly, boy, slowly. Mais c'est Oli, Oli, mais je sais bien que c'est Oli que ça s'est passé. Mais dis-tu te prends pour attaquer en plus. Écoute, Kifrimine, je ne veux pas me battre avec toi. Eh bien, moi aussi, je vais te cogner, te frapper, te défoncer le portrait. Tu vas bien, regarde-moi, tu n'as aucune chance, tu es toute maigriante. Et je suis un commando de sa majesté entraîné, expérimenté, tu n'as aucune chance. Oui, bah. Je pourrais te massacrer avec deux doigts. Oui, bah, amène ton pif, tu vas voir. Et ok, si tu m'y tiens. Mais je vais quand même laisser à toi a small chance. Tu frappes le premier. Et je réponds. Mais si tu veux, oui. Ok, tu es. Ah oui. Oh. Mon vieux. Oh, ça soulage, mais ça soulage, mais ça fait mal. Hey, tu diras bonjour à ta majesté de ma part, comme au nom de mes fesses. Merci Clémence. Bon, ça c'est une chose entendue.
Es-tu de la jaquette, oui ou non? Plus fort! Oui! Oh! Et le muet, c'est ton petit ami! Oui! Oh! Embrasse-le, alors embrasse-le! Parlez, oui ou non? Ah, oui, c'est sûr. Tu lui roules un patin ou c'est l'interrogatoire à la caisse capot! Ah. Comme ça, je suis un être extrêmement sensible, lui aussi. N'est-ce pas, mon ange? Oh, oh, le petit pas est folle. Mais c'est pas Raoul. C'est Raoul Huette. Que faisiez-vous dans ce placard? Vous vous cachiez? D'ailleurs, je ne vous ai pas vu depuis tout ce temps. Mais non, mais c'est normal. En fait, c'est pour moi qu'il était resté. Je le cachais à mon père. Ah bon? Expliquez-moi ça. Eh ben, je connaissais les attirances de mon père, alors vous comprenez? C'est pas possible. Oh là 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 là, oh le monstre! Oh quelle famille, je comprends tout. Oh, oh l'ignoble. Oh. Vouloir trousser l'amant de sa fille. Oh le vicieux, oh le dégénéré. Oh. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais toi, Clémence? Que faisais-tu ici? Je te cherchais, mon amour. Je sais que tu viens souvent ici. Ah, je te manque donc un petit peu. Oh, mais beaucoup. Je ne peux plus me passer de toi. Allez bien, mon amour. Laissons Sodome et Gomorre à leur turpitude. Oh. Raoul Petit Pas. Il faut que j'en informe la population au plus vite. Quelle revanche! Quelle revanche! Erratin, erratin! Que se passe-t-il? Votre plan a fonctionné à merveille, Erratin. Nous en tenons un, ou plutôt une. Ah ah! Ah bah décidément, c'est une bonne journée, hein! Et vous êtes sûr qu'il y a de la résistance au moins? Naturlicht, nous savons trouver chez celle de nombreuses preuves de son appartenance au réseau du Guéclin. Le réseau du Guéclin? Quelque chose vous contrarie! Mais non, rien à contrarier. Elle se moque du réseau du Guéclin, c'est connu, c'est tout. Mais qui avez-vous arrêté, monsieur Schultz? L'institutrice! Non! Si, mademoiselle Richemont! Depuis le temps, j'avais des soupçons! Je l'ai enfin coincé! Eh bien, non, je l'ai acheté! Je l'ai acheté! Je n'ai plus qu'à compter les jours qui leur restent! Ah ah! Tout tard, elle parlera! Allez, en route, Schultz! On va cuisiner cette garce institutrice! Je l'emmènerai personnellement au siège de la Gestapo de Rennes! Clémence! Viens! Et admire mon triomphe! Tout de suite, mon César, je serai la Vestale. Oh là là, il a bien failli découvrir le poteau rose. On l'a échappé belle. Ouais, à quel prix? Le faire passer pour une folle? Il va colporter ça dans tout le village? Dans toute la région? Formidable, vous avez été là. C'est vrai, papa, sans toi, tu étais perdu. Oui, et nous, par la même occasion. Tu crois tout de même pas que j'ai fait tout ça pour un vrai quiche? Pour les petits copains prennent un malin plaisir à nous balancer des tonnes de bombes sur la tête, toutes les nuits. Hein? Non! J'ai simplement essayé de sauver ma famille. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de croiser le ratin qui sortait d'ici en rigolant comme un beau bossu. Ça ne lui ressemble pas. Il est encore là, celui-ci? Malheureusement, et il va retourner dans sa cage immédiatement. Allez, où est-ce que ça? Mademoiselle Richemont vient d'être arrêtée. Nous craignons le pire pour elle. C'est elle qui devait emmener Arthur au rendez-vous ce soir. Ah, mais ça veut dire qu'il va rester là encore longtemps? Mais c'est évident. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Ah, bah, je sais pas. Ah bah je sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'à force de jouer avec le feu, on va se brûler. Et Ratin finira par comprendre un jour ou l'autre. Il est con, mais tout de même. On pourrait peut-être suivre les instructions que Madeleine a laissées. Et puis... Jamais de la vie. La résistance n'a qu'à faire son travail et envoyer quelqu'un d'autre. Hein. Mais comment veux-tu que la résistance soit déjà au courant de la situation? Il faut qu'on agisse nous-mêmes et qu'on profite de l'occasion. Je vous interdis de faire quoi que ce soit, vous m'entendez? Mais papa... Papa, il se moque du sort de ce mangeur de sauce à la menthe comme de sa première brebis. Hein?
Alors, dès demain, on l'enverra n'importe où et se débrouillera tout seul. Papa! Papa, il en a marre, papa! Papa, il voudrait enfin être tranquille et pouvoir dormir sans sursauter à chaque bruit dans la rue, hein? À chaque claquement de porte! Je suis à bout, moi. Alors, vous savez ce que je vais lui faire? Je vais lui calmer mes nerfs chez Madame de Mailleur. En allant trier quelques timbres. À tout à l'heure! Où est-il? Il n'est pas là. Il est plus là. Pardon?
Il est parti. Au rendez-vous. Avec l'avion. Où ça? Quatre chemins. Mais quel rendez-vous? Quatre chemins? Mais c'est quoi ça? C'est Firmin qui a décidé ça d'un seul coup comme ça. Il a pris la situation en main et... Il a décidé de ne pas attendre et d'emmener Archie au rendez-vous. Avec son triporteur. Se demeurer à répétition a décidé ça tout seul. Oui. Soudainement. Oui. Voilà, ça va, vous n'avez pas recommencé votre numéro de bêtise. Non. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a pris à cet abruti? Abruti. Oh, si tu l'avais vu commander, on aurait dit le colonel Betty en personne. Oh, une allure. Un courage. Un chef, quoi. Firmin. Un chef courageux avec de l'allure. Mais c'est un gag. C'est pourtant pas le moment de rigoler. Hein? Ça grouille d'Allemands dans tous les coins. Ils ont parlé de doubler les patrouilles. Non, mais s'ils doublent les patrouilles, chez Firmin. Ont toutes les chances d'être ratés, oui. Et au moment des explications, avec un gugus dont l'accent ne se situe pas vraiment dans le Calvados, hein? Et l'autre qui place trois mots à l'heure. Et encore, quand il a vu un verre d'huile, ça promet. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Herman. C'est là une heure pareille. Ah, Ratin est tellement content de sa prise qu'il a décidé de me laisser 2 jours de repos. Ah. Car il a incité pour emmener lui-même richement à Rennes. Ça signifie que cette bourre Madeleine n'a pas parlé. C'est exact, mais elle parlera. Tôt ou tard, elle parlera. Eh ben moi, je vous parie contre elle. Oh, tais-toi. Ça ne dit pas ce que tu veux. Et bien, voilà, Raoul. Et comme j'ai un peu de temps libre, si tu le permets, Raoul, je voudrais quoi? Emmener mademoiselle Obdil au bal de la commandante Tour demain soir, et j'ai pensé que... Tu penses trop, Herman, tu penses trop, non, ça m'étonnerait. J'accepte avec plaisir, Herman. Ah, je suis très honorée, mademoiselle Obdil. Bah, vous me raconterez vos exploits. Yeah. Hein? Et je passerai vous prendre faire 8 heures, voulez-vous? Eh ben, pourquoi pas, hein? Ah, vous ne dire pas. Ah, Raoul, tu es une fille charmante. Ah, je boirai bien votre santé à tous. Tu n'es pas un peu folle de t'afficher avec un boche? C'est le meilleur moyen d'avoir des renseignements sur le sort de ma claire. Tu es complètement folle. Ah, chut! Je te cherche partout! Mais Ratin, vous m'aviez dit que... Ah oui, ça c'était avant! Eh bien, avant quoi? Mais avant l'attaque du réseau du Guéclin, ça se voit pas là! Catastrophe, colossale catastrophe! Ah oh, mais ça tu peux le dire, oui! Asseyez-vous, Ratin! Vous avez la tour tournée! Grave cette attaque! Oh là là! Vous auriez vu ça! Il en sortait de partout! Mon escorte est décimée en quelques secondes! Je sais pas comment je suis encore vivant! Ah, embuscade, terrible les embuscades! Ah, surtout celle-ci! Hein. Ce maudit colonel Betty, si je l'attrape un jour! Est-ce que vous pensez que c'est lui qui... Mais qui d'autre que lui aurait pu organiser une attaque pareille en si peu de temps? Je me demande comment il a pu être informé aussi rapidement! Et mademoiselle Richemont? Envolée! Disparue! Vous pensez bien? Je la tenais! J'étais sûr de la faire parler, là-bas, avec les spécialistes de la Gestapo de Rennes! Elle a profité de l'attaque pour s'évader! Évidemment! Mais t'es vraiment plus con que la moyenne, toi! C'est pour la délivrer que Betty avait fait cette opération! Si elle parlait, je croisais tout le réseau et colonel Betty avec! Ouh! Et Paul? Ah, et là? Ok. Et Ratin, il y a une deuxième escarmouche! Comment, où ça? Dans un lieu qui s'appelle les Quatre Chemins, un avion est venu récupérer 2 individus. Ah, saligo, ils les ont eus au moins! Ah, mais ratin, ils en ont blessé un. À tous les coups, c'est l'institutrice qui a pris l'avion en compagnie du colonel Betty, qui a sorti son heure arrivée. En effet, les preuves retrouvées sur place, Tom, a prouvé ce que vous dites, ratin. Quatre chemins, 23, 30, 4, F. L'an 1, 2, 1. Je comprends rien. C'est sans doute un code. Et mais ce n'est pas tout. Quoi encore? Ils ont identifié Betty. Et pas vraiment. Quoi? Et ils sont trouvés sur place. Les triporteurs de Firmin. C'est votre trio, les deuxièmes individus qui a réussi à partir juste après.